Alors nous revoilà pour la deuxième partie. Voilà une deuxième vidéo pour marquer les 50 ans de mariage de Papa Taï et Maman Raymond. Voilà donc la question que j'aimerais vous poser. Quand vous revoyez votre parcours de 50 ans, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir jusqu'à présent durant ces 50 ans? Un chacun peut penser à l'amour. L'amour, c'est un vaste mot. Il faut bien creuser. Parce qu'il y a l'amour, c'est un mot humain. Mais il y a aussi l'amour de Dieu, qui est une grâce. Et pour nous deux, le mariage, c'est une construction. Nous avons eu 9 enfants. Et à ces enfants, il faut assumer un avenir. C'est pour ça qu'on s'est déplacé un peu partout. Parce qu'avant nous, tout retourné. Moi, j'étais allé en France faire plusieurs séjours pour pouvoir avoir des diplômes un peu plus hauts afin de subvenir aux besoins de notre nombreuse famille. Et pour cela, je ne peux pas le faire seul. Il faut que ma femme soit d'accord. Que j'aille en France, qu'elle garde tout seul les enfants. Et moi, j'ai fait presque 9 ans en France, et on a 9 enfants. Je veux dire que là-bas, j'ai consacré une année par enfant pour ma formation professionnelle avant de revenir sur le territoire. Mais j'ai d'abord fait une formation à l'Institut biblique de nos gens. Sur Marc, parce qu'il faut des bases bibliques aussi à tout ce que nous faisons. Voilà un peu pour moi comment mon mariage a été tenu. C'est parce que, voilà, il a fallu des circonstances intéressantes, mais aussi l'amour de notre Dieu. Sans